Une douzaine d'étudiants Logo 6 s'y placés dans différents ministères pour un placement de 2 semaines afin qu'ils aient découvert le monde du travail. À nous écoute le ministre Carly Chun et aussi quelques bénéficiaires de sa cour. Ladies and gentlemen, the SPP exemplifies our collective commitment to nurturing the talent and aspirations of our youth, preparing them for the dynamic world of work that lies ahead. Through initiatives such as the SPP, we are not only bridging the gap between education and employment, but also fostering a culture of lifelong learning and skills development. As we celebrate the successes of the school placement program, let us reaffirm our commitment to providing our youth with tools, resources, and opportunities they need to succeed in the 21st century workforce. Together, we can build a future where our young persons have the chance to fulfill their potential and contribute meaningfully to society. Once again, congratulations to the HRDC on the two decades of remarkable achievements, and to the students, I offer my sincere congratulations. We hope that you continue to pursue excellence in your endeavors. Je me présente, Loïc Daniel, élève du collège Dr. Régis Chaperon, SSS. J'ai eu la chance de participer au School Placement Programme organisé par la HRDC en collaboration avec le ministère de l'Éducation. J'ai été placé à la Mauritius Cane Industry Authority, aussi connue comme la MCIA, dans le cadre de ce stage qui a duré 10 jours. Ce stage a été pour moi un tremplin pour mieux m'orienter dans mon futur monde professionnel. Grâce à ce stage, j'ai réussi à développer plusieurs qualités qui me seront très utiles dans mon futur, telles que la ponctualité, la capacité à s'adapter au changement, la capacité à travailler en équipe, à gagner en confiance en soi, à augmenter mon employabilité, d'acquérir et développer mes compétences techniques, sans oublier tisser un réseau solide avec les autres, que ce soit les nouveaux collègues ou les stagiaires rencontrés chez le lieu du stage avec qui je suis toujours en contact. En bref, cela m'aidera à mieux voir l'avenir avec assurance. Je ne serai jamais assez reconnaissant envers la HRDC, le ministère de l'Éducation et mon établissement scolaire. Je conseillerai aux jeunes de suivre comme moi cette formation et d'en sortir gagnant et grandi. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je m'appelle Jay Jogu de l'Oreille de Kepip. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience pendant le School Placement Program. Franchir le seuil de l'école pour atterrir dans le monde du travail a été un très grand défi. Car pour moi, le monde du travail m'était inconnu. Mais j'ai accepté le défi et cela m'a aidé à mieux comprendre le monde du travail tout en me montrant que la vie après l'école est très différente. Pendant les 2 semaines passées en entreprise, j'ai appris à développer ma confiance en moi et des compétences telles que la discipline, le travail en équipe et la communication. J'ai eu le soutien du personnel et de superbes amis pendant cette courte durée. Au final, le School Placement Program a été une expérience très enrichissante pour moi. Et cela m'aidera à avancer dans la vie. Donc, de la part de mon école, j'aimerais remercier la HRDC pour nous avoir donné cette opportunité qui a marqué notre vie et nous aidera dans notre future carrière. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.